Comme pour le cœur de grenouille, la mise en évidence de l'automatisme cardiaque au niveau du cœur de mammifère demande au préalable une connaissance de l'organisation de ce cœur. En effet, le cœur de mammifère est composé en réalité, cette fois-ci, comme le cœur de la grenouille, est composé de deux oreillettes. Mais, contrairement au cœur de grenouille qui était composé que d'un seul ventricule, le cœur de mammifère est lui constitué de deux ventricules. Donc, vous avez deux oreillettes, deux ventricules. Une oreillette droite, une oreillette gauche. Un ventricule droit, un ventricule gauche. C'est bon? Mais que vous voyez qu'en réalité, au niveau de ce cœur-là, il y a des éléments qui sont ici mis en évidence par la couleur rouge. Ces éléments-là sont le nœud sinusal, le nœud septal, le faisceau de His et le faisceau de His qui est prolongé en réalité par des fibres qu'on appelle le réseau de Purkinje. Ici, vous avez les deux branches du faisceau de His. Le faisceau de His est à ce niveau-là, ici, ici. Ensuite, ça là, on les appelle les deux branches du faisceau de His qui sont prolongées par des fibres appelées le réseau ou bien les fibres de Purkinje. C'est bon? Donc, ces éléments-là constituent une structure appelée tissu nodal. Donc, tissu nodal. C'est sur ce tissu nodal-là qu'est basée en réalité la théorie myogène ou théorie myogéniste. En effet, tissu nodal, donc, fait référence en réalité au tissu musculaire. Donc, puisqu'un tissu est composé d'un ensemble en réalité de cellules, voilà pourquoi on va parler de théorie myogéniste ou théorie myogène. C'est sur cette théorie-là, c'est sur l'existence et l'organisation en réalité de ce tissu nodal-là qui est basée en réalité la théorie la théorie myogène ou théorie myogéniste. Pour avoir une idée beaucoup plus précise en ce qui concerne en réalité cette théorie myogène-là, nous allons réaliser une série d'expériences. Nous allons réaliser en réalité quatre expériences. Voici la première expérience. Sur un cœur isolé et perfusé, on supprime par cauterisation les nœuds sinusales et septales, ainsi que les faisceaux de His. Résultat, le cœur cesse de battre. Comme je l'ai expliqué auparavant, le nœud sinusal, le nœud septal, le faisceau de His et le réseau de Purkinje constituent quoi? Le tissu nodal. Donc ici, on pouvait simplement dire, sur un cœur isolé et perfusé, on supprime en réalité le tissu nodal. Cela signifie quoi? On supprime cette structure-là, celle-là, celle-là. Bref, on supprime tout ce qui est mis en rouge. Résultat, on constate que le cœur cesse de battre. Conclusion, là. Le tissu nodal contrôle l'automatisme cardiaque. On pouvait ajouter, le tissu nodal contrôle l'automatisme cardiaque chez le cœur de mammifère. Puisque lorsqu'on supprime le tissu nodal, le cœur cesse de battre, on va dire que le tissu nodal est le siège de l'automatisme cardiaque. Chez le cœur de grenouille, on avait vu le siège de l'automatisme cardiaque. Ici également, on a vu le siège de l'automatisme cardiaque et cette fois-ci, c'est un tissu. Voilà pourquoi, puisqu'un tissu est un ensemble de cellules, on va dire que ici, c'est la théorie myogène. Puisque le tissu nodal était composé d'un ensemble de nœuds, nœuds sinusales, nœuds septales, faisceaux de His, réseau de Purkinje, là également, nous allons faire des expériences pour voir quel est le pacemaker. Au même titre que le cœur de grenouille avait ce qu'on appelle un pacemaker, à savoir le ganglion de Riemann. Ici également, nous allons déterminer le pacemaker pour connaître qu'est-ce qui contrôle en réalité l'automatisme cardiaque. Ici, nous, à travers cette première expérience, nous savons seulement le siège de l'automatisme cardiaque, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui commande parmi tous les éléments qui constituent le tissu nodal. Nous allons réaliser l'expérience suivante qui est là. Cette fois-ci, regardez bien. L'ablation du nœud sinusal laisse voir la contraction simultanée, chers élèves. Simultanée. Donc, désorganisée, on va dire. Simultanée des oreillettes et des ventricules. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans la réalité? Cela veut dire que, en réalité, les oreillettes et les ventricules se contractent au même moment. Vous savez que, dans le fonctionnement normal d'un cœur d'un individu en bonne santé, ce sont les oreillettes d'abord qui se contractent, le sang va quitter le cœur et se rendre au niveau des ventricules. Ensuite, ceux-ci se contractent, le sang quitte complètement le cœur et se rend au niveau des artères. Si par contre, on
Cette prime en réalité le national, ce fonctionnement régulier cesse d'avoir lieu. En plus, l'expérience continue d'informer que, cette fois-ci, les oreilles et les ventricules en réalité se contractent à un rythme moins. Donc, si on dit rythme moins, cela veut dire que le rythme là est moins, comprenez par là, rythme moins par rapport au rythme normal. C'est bon? Donc, regardez ici, l'expérience met en évidence le nœud sinusal. Chers élèves, quand vous traitez un exercice, il faudra que vous voyez le mot le plus important dans l'expérience pour savoir que c'est celui-là qui est mis en évidence. Donc, votre conclusion doit porter sur le mot le plus important. Ici, donc ici, ce sera sur le nœud sinusal. Alors, conclusion, on va retenir que le nœud sinusal est responsable du rythme normal des oreillettes et des ventricules. Pour cela, on dira que c'est le pacemaker. Nous avons vu qu'au niveau du cœur de grenouille, le pacemaker, c'est le ganglion de Riemann. Au niveau du cœur de grenouille, le pacemaker, en réalité, c'est le nœud sinusal. En effet, c'est lui qui va imposer son rythme à l'ensemble du cœur. Voilà pourquoi cette conclusion indique que le nœud sinusal est responsable du rythme normal des oreillettes et des ventricules. Alors, nous allons continuer pour toujours avoir des informations sur la coordination de l'activité des éléments du tissu nodal. Pour cela, nous allons attaquer la troisième et quatrième expérience. La troisième expérience dit quoi? La suppression des nœuds sinusal et septal entraîne l'arrêt des contractions auriculaires. Les ventricules continuent de battre avec un rythme très lent. Alors, comme le montre la figure, si l'on supprime le nœud sinusal et le nœud septal là, les oreilles arrêtent de battre. Au même moment, les ventricules battent, mais à un rythme moins cette fois-ci. Vous voyez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la conclusion là sera en rapport avec le siège, l'automatisme cardiaque au niveau des oreilles. En effet, comme le montre la figure, vous voyez que le nœud sinusal est localisé à ce niveau-là. Regardez bien la zone de localisation du nœud sinusal, mais également du nœud septal. Ça, c'est l'oreillette droite. Voilà pourquoi, quand on a supprimé le nœud sinusal et le nœud septal, les oreillettes ont cessé de battre au moment où les ventricules battent, mais à un rythme moins comparé à la normale. Conclusion, le nœud sinusal et septal contrôlent la contraction des oreillettes. Alors, quatrième et dernière expérience est en rapport avec le faisceau de His, un autre élément du tissu nodal. Elle dit, la section du faisceau de His, à son début, ne modifie pas le rythme des contractions auriculaires. C'est important. Observez bien la figure indiquée ici. Ça veut dire la suppression, ou bien la section, on va dire, du faisceau de His à son début. Son début est là. Je vous ai dit que voici le faisceau de His. C'est à ce niveau-là. Les éléments là indiquent les branches du faisceau de His. Donc, quand on supprime ici, là, résultat, les oreillettes qui sont là ne sont pas affectées. Le fonctionnement des oreillettes n'est pas affecté. Celle-ci se contracte à un rythme régulier. Par contre, observez l'information fournie par cette expérience. Les ventricules continuent de battre avec un rythme très lent cette fois-ci. Vous voyez, on parle de dissociation auriculo-ventriculaire. Ça veut dire qu'on a séparé les oreillettes des ventricules. Donc, quand on sectionne le faisceau de His à son début, les contractions des oreilles sont normales. Par contre, les contractions des ventricules sont comment? Elles sont en réalité à un rythme lent. Conclusion de cette expérience, le faisceau de His détermine les battements des ventricules. Vous voyez, donc, chers élèves, voici comment la coordination des éléments du tissu nodal ont lieu pour l'automatisme cardiaque du cœur de mammifère. Pour avoir une confirmation sur l'idée selon laquelle, en réalité, le nœud sinusal est le siège de l'automatisme cardiaque chez le cœur de mammifère, voici un document qui met en évidence les contractions des éléments du tissu nodal, à savoir le nœud sinusal. Donc, ici, c'est la contraction du nœud sinusal qui est mise en évidence par la courbe A. Ensuite, la contraction en réalité du nœud septal qui est là, qui est mise en évidence par en réalité la courbe B. Ensuite, la contraction ici, en réalité, du faisceau de His, la contraction du faisceau de His mise en évidence par la courbe C. Et par la suite, la contraction toujours, cette fois-ci des deux branches du faisceau de His
mise en évidence par la courbe D. Et enfin, en réalité, les réseaux de Purkinje, la contraction des fibres du réseau de Purkinje qui sont mises en évidence par, en réalité, la courbe E. Et tout à fait en bas, vous avez ce qu'on appelle l'axe des temps. Maintenant, ce que nous voulons savoir, ce que nous voulons déterminer en réalité, c'est où est-ce que la contraction débute en premier au niveau de tous les éléments du tissu nodal. En effet, si nous comparons le temps qui sépare en réalité le début ici, 0, et le point le plus important de la courbe représentant la contraction des différentes structures qu'on a vues, on verra qu'en réalité, ce temps-là est plus court, suivi du temps de B, qui est là, qui est plus court, ensuite suivi du temps de C, suivi du temps de D, et enfin vient le temps de B. Pour dire quoi? Puisque le temps-là est le plus court, cela veut dire que c'est lui qui s'est contracté en premier de cette structure-là, suivi de cette structure-là, de celle-ci, et enfin de celle-ci. Donc cela veut dire, chers élèves, retenez que le cœur est doué d'un automatisme cardiaque. Pour le cœur de mammifère, le siège de cet automatisme cardiaque-là, en réalité, c'est le tissu nodal. Ce tissu nodal-là est composé d'un ensemble de centres qu'on appelle nœuds. Les nœuds là, c'est le nœud sinusal, le nœud septal, le faisceau de His, les branches du faisceau de His et enfin le réseau de Purkinje. Cela veut dire que pour que la contraction ait lieu, c'est à ce niveau-là que l'excitation doit provoquer une contraction spontanée et rythmique. Après la contraction de façon spontanée et rythmique, en réalité, du sinus veineux, du nœud sinusal, par l'intermédiaire des nerfs internodales, l'information nerveuse va quitter en réalité le nœud sinusal et arriver au niveau du nœud septal. Quand il arrive au niveau du nœud septal, la contraction du nœud septal commande la contraction des oreillettes. Ensuite, les oreillettes vont se contracter, le sang va quitter complètement les oreillettes et se rendre au niveau en réalité des ventricules. L'information nerveuse va quitter le nœud septal, arriver au niveau du faisceau de His. Qu'est-ce qui va se passer? L'information va continuer à travers les branches du faisceau de His jusqu'au niveau des fibres du réseau de Purkinje. Toutes ces structures-là se contractent et le sang et les ventricules vont se contracter. Le sang va quitter complètement le cœur et se rendre au niveau des artères, chers élèves. Au début de cette vidéo, je vous avais dit que c'était deux théories qui s'opposaient selon leur approche. Pour départager les deux théories, c'est au niveau du cœur de grenouille qu'une expérience supplémentaire a été réalisée. En effet, après destruction localisée du ganglion de Riemann, que vous inscrit le ganglion de Riemann? En réalité, c'était le pacemaker du cœur de grenouille, on va dire, de l'automatisme cardiaque. C'est-à-dire, c'est lui qui était le chef d'orchestre du fonctionnement du cœur de grenouille. Quand on l'a détruit, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, on devrait s'attendre à ce que le cœur cesse de battre, on va dire, puisque c'est lui le pacemaker. Mais fort heureusement, il n'en est rien. En effet, le cœur a continué de battre. Alors que nous, on avait dit que le ganglion de Riemann était le pacemaker. Normalement, on devait s'attendre, après sa destruction, à l'arrêt complet du fonctionnement du cœur. Mais puisque le cœur a continué de battre, ce qui n'était pas en accord en réalité avec la théorie neurogène. Donc, pour vous dire quoi, qu'actuellement, la théorie neurogène est abandonnée au profit de la théorie myogène. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va porter sur l'activité cardiaque. Parce que, après avoir vu l'automatisme cardiaque, après avoir développé le sujet de l'automatisme cardiaque, il est important maintenant d'entrer dans le vif du sujet concernant l'activité cardiaque. Pour ne pas rater cette prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, mais aussi et surtout à partager la vidéo pour qu'elle soit utile à d'autres élèves. Merci et à très bientôt.